Alors juste avant de commencer, petite dédicace à les CCBS. Alors juste, je crois bien que dans le lot, je crois qu'il y a deux personnes déjà, je crois que c'est deux personnes, et je crois que dans le lot il y a Théo Dupin. Je suis pas sûr, pas sûr à 100%, mais je crois. Donc du coup, petite dédicace. Et aussi, petite dédicace à Nitro Studio, petite dédicace. Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire une petite attaque du jour, tranquillou, pepperoni, avec un bon petit deck, enfin un bon petit deck je sais pas, bon on l'a pas encore testé. Alors du coup petit sourire, petite bonne chance, et du coup on va envoyer le géant, la base, voilà, dès le début on envoie le géant. Alors ce deck appartient à Edwin Elmo Glenny, c'est des N, c'est pas des M. Donc Edwin Elmo Glenny, voilà, donc je sais pas si ça se dit comme ça, ça fait un peu bizarre, mais je suppose que ça se dit comme ça. Et donc du coup on va envoyer la Horde de Gargouille, j'espère que ça passera. Est-ce que ça passe? J'ai l'impression que ça va passer. J'ai l'impression aussi qu'on va envoyer des flèches. J'ai l'impression qu'il va aussi nous exploser, oui. C'est pas grave, on a une horde de... Enfin, une horde. Une armée de squelettes qui est énorme, hein, on va... Oh non, monsieur dégueulasse, là. Qu'est-ce qu'il me met ça, lui, là? Quoi? Vas-y, il m'a détruit tous mes machins et tout, là. Bon, ça commence très mal. Ça va, on n'est pas non plus dégueu, mais ça commence mal, quand même. Ah oui, en plus, ça va vraiment faire mal, là. Non, ça va? Ça va? Ça va, on a pu la sauver, on a pu la sauver. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Oh là là. Ouais, là, par contre, ça passe pas bien. Hein. Ouais, est-ce que y a moyen que tu la tues? Non, vas-y, mets ça, le mec. Ah, on a fait un petit peu de dégâts. Ah, moi, quand il n'y a pas la Valkyrie, j'aime pas. Hein. Ah, quand il n'y a pas la Valkyrie, enfin, ça dépend quel deck, hein, mais quand il n'y a pas la Valkyrie, j'aime un peu moins. Je sais pas pourquoi, j'aime un peu moins. Alors, c'est bon? Ok, donc soit on va faire, on va mettre le géant. Je pense que j'ai mis trop tard. Quoi que ça peut... Non, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout, je l'ai mis vraiment trop tard. Donc on va tenter de mettre le feu à gobelin. Et la boule de feu... Non, ça va, ça va, ça va. Donc le feu à gobelin qui devrait faire du taf. Non, il met du zappi, le mec. C'est pas grave, c'est pas grave. On va garder nos troupes, ça passe. Oh oui, ça passe même très bien. Oh, on le rattrape et tout. Oh non, mais génial. J'adore le géant. Ah, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Ah, je vais... J'adore le géant. Bon alors, on n'a pas utilisé le sorcier de glace encore ou pas vraiment. Ouais, je crois qu'on l'a pas utilisé. Hein. Là, je suis pas sûr qu'on l'ait utilisé. Donc du coup, on l'utilise tout simplement. Et du coup, on va essayer de faire un maximum de dégâts, comme d'habitude. Et ça va, ce deck est pas dégueu. Hein. Franchement, il est vraiment entre le défense et l'attaque et tout. C'est vraiment bien joué. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà, voilà. Donc du coup, on va essayer d'envoyer du feu à gobelin. Attention. Oh non! Je vais me faire exploser. Je vais me faire exploser. Attends, on va mettre l'armée squelette vite, vite, vite. Ça va, c'est pas dégueu. Oh là là, ça va, on fait du taf, on a fait du taf à gauche. C'est déjà pas mal, et malheureusement avec l'armée squelette, il nous a défoncé. Bon, on va attendre que ça passe. Ok, on va mettre du géant. Et puis, on va mettre... de la mousquetaire. Pourquoi pas de la mousquetaire. Du sorcier de glace. Et une petite... ouais, non, bah non, pas la horde de gargouille, je sais comment ça va finir. Voilà, là on la met, la horde de gargouille. Là on met le feu à gobelin. Et normalement ça devrait faire un maximum de taf, s'il vous plaît. Ça passe? Ça passe? S'il vous plaît? Quoi? Quoi? Sérieux là? C'est sérieux là? Mais c'est sérieux? Mais vas-y, rigole pas, wesh. Je t'ai rien fait, moi. C'est pas de ma faute aussi, là, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait n'importe quoi et c'est ta faute. Oh mais de que dalle, c'est ces trucs là, ces gobelins là, au lieu de t'attaquer et tout comme des malades, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les barbares. Ils se sont dit, tiens, on va aller voir les barbares, on va essayer de les défoncer. Mais on en a rien à foutre, il faut casser la tour. Oh, espèce de malade. Ouais, du coup, je l'ai dit, on était contre Super Alex. Donc, on est contre Super Alex qui est niveau 9. Et puis, bah, on a perdu. C'est génial. Oui, donc, du coup, bah, voilà, le deck, quand même, ça va. Franchement, il est bien mix. Il est bien mixé. Y a du géant histoire de tanker. Y a de la mousquetaire histoire de faire un max de dégâts. Enfin, mousquetaire, un max de dégâts, entre guillemets. Hein. Mais enfin, bon, disons qu'elle fait un max de dégâts. Après, on a du sorcier de glace histoire de bien ralentir et faire un petit peu de dégâts. Après, voilà, on a un petit peu tout ce qu'il faut pour défendre, la horde de gargouilles, l'armée de squelettes et tout. Non, franchement, pas mal, les flèches qui sont limite indispensables. Ouais, franchement, des bonnes troupes et tout, ça m'a permis de bien défendre et d'attaquer. Bon, je me suis fait un petit peu quand même... voilà, quoi, je me fais un peu exploser, mais j'ai failli le rattraper quand même. Là, j'aurais détruit sa tour, j'aurais gagné, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'après, j'aurais détruit son autre tour et tout. Et limite le 3 tours après, tu vois, limite. Non, du coup, ouais, il y aurait eu la mine spéciale. Donc, j'aurais détruit sa deuxième tour et j'aurais gagné et tout, là. Ouais, mais le problème, c'est que je me suis aussi un petit peu fait surprendre par l'armée de squelettes, là. Mais enfin, le cimetière, là. Je me suis fait surprendre, moi.
j'ai même pas, tu vois, j'avais pas vu et tout, et j'ai dit, ah mince, l'Hermès Grise, je fais quoi, t'sais. Bah, je mets mon armée de squelettes à moi, hop là, pour le cimetière, là. Et puis voilà, enfin bon, on s'en fout, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce, on a fait une bonne attaque du jour, enfin, on a perdu, mais on a fait une bonne attaque du jour quand même. Du coup, je vais essayer sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.